Bonjour ma petite fille, petite Lucie, je sais plus ce que je dois dire. Bonjour ma petite Lucie, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer les quelques, enfin quelques, deux belles piles quand même. J'aimerais bien faire du lundi au samedi, je pense, une journée, enfin une semaine en bulle. Ça veut dire que j'aimerais bien lire de manga, BD. Mais là, c'est plutôt des mangas, je vais pour vous présenter. Il n'y a qu'un seul que je vais vous prendre là tout de suite. Et je reviens. Voilà, j'ai pris le manga que je vous... Enfin, la BD que je voulais. Du coup, voilà, je vous présente les livres que j'aimerais bien vous présenter. Vous aurez dans le vlog de la semaine que vous retrouvez le samedi. Du coup, je pense que ce sera du lundi au vendredi. Je lirai peut-être samedi et ceux-là, je les montrerai dans le vlog précédent. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Du coup, je commence tout de suite avec la boîte à musique de chez Depuis de je sais pas comment ça se prononce. J.D. Carnot, voilà. Et la boîte à musique, c'est le tome 4, la musique la misirette. Enfin, soit. C'est le tome 4, comme ça je serai en or dans ma BD, voilà. C'est le tome 4, du coup je vais pas vous trop vous montrer, je vais vous montrer juste une planche pour vous montrer à peu près les dessins. Voilà. Du coup ici on va suivre, pour le tome 1, on va suivre, en fait c'est une petite fille et son papa, ils ont perdu la maman et la maman a demandé au papa de donner la boîte à musique à l'âge de 8 ans à sa fille. Voilà, et du coup, elle va découvrir un monde rempli de un petit peuple. Voilà, moi je dirais ça, avec des monstres et tout ça. Et c'est trop chouette, et j'aimerais bien lire le tome 4. Comme ça, je serai je ne sais plus parler. Ce sera bon pour ça. Après, j'aimerais bien lire des mangas qui est celui-ci, ne me demandez pas, voilà. Je ne sais plus comment ça. Je montre à peu près les visages. Voilà. Je sais qu'on va suivre deux frères. Enfin, un garçon et son frère qui va se passer quelque chose. En fait, un MM, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je ne sais pas si c'est en plusieurs tomes. J'aimerais bien savoir. Il faudra que je regarde. Et c'est en plusieurs tomes ou pas. Ah, tome 4, j'ai vu. Non. Il faudra juste que je voie. Parce que voilà, j'ai le tome. Il n'est pas marqué de 1, du coup, je pense que c'est un seul. Du coup, si c'était lu, ce serait bien. Après, j'ai tome 1, tome 2 que je viens de montrer dans mon vlog. Qui est Underla. Voilà, le tome 1. Ça, le tome 1. Le tome 2. Je ne sais pas plus non plus, j'ai pas envie. Nous suivons une pharmacienne. C'est une petite pharmacienne qu'on va suivre. Et ça a l'air tout mimi. J'ai envie de découvrir ça. Je vais vous montrer un peu les visages. Je vais vous montrer une fois les planches. Comme ça, vous allez voir un peu les visages pour vous en donner compte. Mais je voudrais très vite vous en parler. Après, j'ai le tome 2 que j'aimerais bien aussi lire du petit renard, le petit renard et le petit agneau qui de chez Guy Kisuna de Mikasa. Wow, voilà, il est trop beau ce manga. C'est un tome 2, du coup, voilà, je pourrais pas trop vous en parler, mais voilà. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un chien. Le renard était un peu un métamorphe. Je ne sais plus. Il faudrait que je relie un peu le tome 1. Je ne sais plus. Voilà, ça fait un moment. Du coup, voilà. Après, j'ai Orange. Ça aussi, on le voit passer partout. Je ne sais plus de quoi ça parle non plus, mais j'ai envie de le découvrir. Voilà, je sais que c'est des jeunes lycéens qu'on va suivre et il y a des trucs qui vont se passer, du coup, voilà. Mais là, je sais que c'est une série, j'ai le 1 seulement dans ma palle. Voilà.
Après, ça, c'est aussi une autre série que j'aimerais bien continuer parce que j'ai lu le tome 1. J'hésite avec le tome 2, mais non, je pense pas que je l'ai lu. C'est Les Ateliers des Sorciers, tome 2 et tome 3. Là, il y en a 7 ou 8. Voilà, et ils viennent de terminer la série. Du coup, j'aimerais bien me remettre à niveau, quoi. Voilà. Après, je voudrais bien continuer aussi la série. Je pense que ça va être un petit manga coup de cœur pour moi, qui est La Gameuse et son chat, le tome 2 et le tome 3. Il est trop mignon ce chat, j'adore. Et aussi, mais j'aime bien celui-là. Du coup, on va suivre une jeune femme qui va recueillir un petit chat. Elle n'y connaît rien du tout. Et elle va apprendre à connaître ce petit chat tout mignon. Voilà, je vous montre une planche. Hop. Voilà, regardez l'œil du petit chat. Et il va faire quelques bêtises. Voilà, regardez, c'est pas tout mignon ça. Et du coup, c'est trop chouette. Et là, l'arrière est trop beau aussi. Celui-là, on voit bien que c'est la gameuse. Il est rentré dans le jeu. Enfin, je sais pas. Il faut que je continue la série pour vous en parler. Et là, c'est les livres que j'ai eu à mon chéri. C'est peut-être la première. Enfin, je crois que je les lis au plus vite parce qu'il me casse des bonbons. Pour vous dire que je les lisse. Et ceux-là, je les ai tous. Il y a 8 tomes. J'ai déjà lu le tome 1. Je vous en ai parlé, je pense. De Chobit. Voilà. Chobit. Voilà. Du coup, ça c'est le tome 2. Ça c'est le tome 3. Ça c'est le tome. Ah! Ah ben il n'a pas le tag 4. Ah ben il faut que je lui dise. Le tome 5. Le tome 6. Le tome 7. Le tome 8 qui est tout petit celui-là par contre quand je vois aux autres. Il est tout petit. Voilà. Par contre, j'ai pas le 4. Ah, il faut que je lui dise. Ah, ben voilà. J'ai le tome 1 qui est lu. Ça, c'est fait. Contente. Voilà. Je vous ai présenté tout ce que j'aimerais bien lire. Bon, je vous dis tout de suite, je ne lirai peut-être pas tout comme je compte en lire. Je vais essayer d'en lire 2 par jour. Voilà, ça me fait. Je sais plus comment j'ai dit. J'ai compté tantôt. 2, lundi, ça fait 4. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livres, enfin 10 mangas qui sont faits sur la semaine et j'en ai montré je sais plus combien. Ici déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. J'ai 15 mangas à vous que plus la BD. J'ai oublié. 16 avec la BD. Et voilà, que j'aimerais bien, je piocherai dedans. Voilà. Je piocherai dans ces livres. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Je piocherai dans ça que je vous ai présenté et je viendrai vous en parler sur. Vous devrez me suivre le samedi. Je parlerai de mes lectures, de mes mangas de la semaine. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit vidéo de manga vous aura plu aussi. J'en parle pas souvent des mangas en plus. Voilà, parce que c'est vrai que c'est des trucs qui se lient assez vite et voilà. Mais c'est vrai que il n'y a pas longtemps que j'en lis aussi, voilà. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Allez voir les petites vidéos que je vous mets à la fin de ce. Enfin, ici quelque part, je ne sais jamais où ils se mettent exactement. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous.